Non, là, ici, vous me voyez en tant qu'humoriste. J'ai pas toujours été humoriste. Moi, j'ai été danseur pendant des années. Ça a très, très bien marché. Tellement bien que maintenant, je fais des blagues dans une gare à Namur. J'ai été gogo danseur pendant des années, mesdames et messieurs, dans des boîtes gays. Ok, j'ai dansé pendant des années pendant des boîtes. Et devinez qui je croisais tous les dimanches au You. C'est vrai. Il m'est jamais arrivé une couille. La seule fois où c'est parti en sucette. La seule fois où c'est parti en sucette, mesdames et messieurs, c'était la seule fois où j'ai dansé dans une boîte hétéro. Je vous jure que c'est vrai. Je suis en train de danser, je fais mon taf, et à un moment donné, je sens un truc, je me dis, tiens, je sens plus mon petit slip au niveau de mes hanches. Je regarde, je me rends compte que je suis en plein milieu de la boîte. Le tiche à l'air et les roubignoles en freestyle. Freestyle, je me retourne, il y a une fille complètement bourrée derrière moi qui me fait hey. Je fais hey. Je suis sûr, dans le fond, il y a deux gens qui ont dû dire putain, il y a des mecs tellement bourrés là-bas qui sont en train de danser. Rabbi Jacob, c'est complètement bon cette histoire, ça sert. Bon. Même Marie-Pen Trudeau, ici, là, début d'année, mesdames et messieurs, je me suis fait quitter par un psy. Largué, t'imagines, il y a que moi qui peux dire ça. Je me suis fait quitter par ma fille, je vous jure, c'est vrai en plus. J'arrive là-bas, comme ça faisait 20 ans qu'on se voyait. Elle me dit, voilà Yuri, je suis désolée, c'est notre dernière séance. Je suis désolée, je vais déménager, j'ai acheté une maison. En tout cas, je voulais te dire merci. Moi, je dis merci pourquoi? Elle me dit, merci pour la maison, c'est quand même grâce à toi. Depuis maintenant, je vois une voyante, enfin une astrologue, comme on l'appelle. Il y a des gens qui voient des astrologues ici ce soir? Non, ok, je suis le mec bizarre de la soirée. Une fois, j'arrive chez elle, elle me dit, écoute, je sens que t'as rencontré quelqu'un, par contre, je t'arrête tout de suite, c'est une fille toxique, sa famille aussi, il faut que t'arrêtes de la voir. Ce soir-là, j'avais rendez-vous avec elle au restaurant pour qu'elle me présente pour la première fois toute sa famille. J'arrive là-bas, je suis en crise d'angoisse, je sais plus où me mettre, et elle le voit, elle me dit, je vois bien que ça va pas, qu'est-ce qu'il y a, Jojo, ça va? Elle me dit, bah si, je vois bien que ça va pas, qu'est-ce qu'il y a, Jojo? Je t'aurais pu me dire que t'avais une sœur qui était dans l'astrologie. Je suis content parce que j'ai pas recommencé à fumer. Il y a des gens ici par applaudissement qui fument? Non? Ok. Voilà. Par applaudissement, mais c'est cool. Mais je suis content d'avoir arrêté. Parce que t'imagines qu'est-ce qu'ils m'auraient dit les médecins plus tard? Monsieur, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que vous avez un cancer. La bonne, c'est que votre taux de vitamine C est excellent, monsieur. Oh, alors un cancer? Oui, mais un cancer fuité. Ah, c'est... Et c'est vrai que c'est important d'être bien seul avec soi-même. C'est vrai, c'est important, tu vois. Après, c'est chiant. T'es bien seul avec toi-même, mais il n'y a personne qui est là pour le remarquer. C'est con, tu vois, ce que veut ton chat. Ouais. Ça, c'est vraiment une phrase de célibataire, ça. C'est... Merci. Ah, c'est toi qui l'as dit, pardon, ça. En plus, on le sait maintenant que l'isolement, c'est dangereux pour l'état émotionnel. On l'a vu déjà avec la prison, le Covid, les dernières vidéos de Britney Spears. C'est triste si elle continue comme ça, elle va mourir comme toutes ces stars adulées comme ça, qui sont mortes de désespoir en fait, hein, comme Michael Jackson, Marilyn Monroe, Madonna. Si, Madonna est morte. Mais si, c'est ce que personne n'a osé lui dire, mais si. Elle est morte, c'est... Vous savez ce qui est dingue maintenant, c'est qu'en fait, il faut savoir que maintenant, il y a plus de gens dans le monde qui meurent du diabète que de la drogue. Vous le saviez ça? C'est dingue parce que si là maintenant je m'allume une clope, vous allez me dire mais je suis fou. Alors que si j'ouvre un bounty, personne ne dit rien. C'est dingue quand même. C'est dingue. C'est...